Bonsoir tout le monde, bonsoir Mary ou bonjour quiconque vient à notre rencontre. Nous allons retourner en Tamriel, nous allons courir l'aventure, sauver la veuve et pourfendre l'orphelin en bonne compagnie. Nous allons continuer la quête d'Elsewhere, ici présent avec Mary. Bonsoir Mary, bonjour. Peut-être, je ne sais pas à quelle heure, à quel moment vous voyez cette VOD. En tout cas, salut à toi. Bonsoir, et moi pour moi je dirais plus bonsoir, parce que j'ai les yeux qui piquent là déjà. Non, ça c'est l'encens qui est à ta gauche, c'est pour ça. Attends. Ouais, je sais, c'est pas forcément évident. Et en même temps, l'encens, j'ai presque envie de dire, regarde, c'est assez impressionnant, mais je vais m'appuyer dessus. Hop là, très bien, c'est très impressionnant. Je sais. C'est assez fou. Plutôt bien. Ouais. Et pour la pose de mon personnage Écoute. On attaque la suite de la quête d'Elsewhere. À 3, on active Abnur, c'est ça? Oui, le dialogue. Ok. 1. Le nommer. Et 2. Et 3. Plusieurs Cadwell, des nécromanciens, des dragons et maintenant des soldats euraxiens en marche sur Fort Rivière. Les mauvaises nouvelles s'enchaînent. Je nous ai fait un petit son, hein. Vais remonter un petit peu. Nous avons fort à faire et peu de temps pour y parvenir. Ouais, les mauvaises nouvelles s'enchaînent. Ouais, putain. Bah déjà notre réunion est en soi une mauvaise nouvelle, mais ok. Ce que je vous propose, Abnur, je me permets, on dit que... De toute façon, j'ai pas compris grand-chose, donc vas-y. On dit que je parle. Écoutez, Abnur, au moins, je suis rentré avant que les soldats d'Oraxia lancent leur attaque, donc c'est déjà ça quand même. Oui, mais d'après les éclaireurs de Garechery, ils sont en route. Je crains que notre visite à ma demi-sœur n'ait fait qu'aviver sa colère. Ouais, s'énerve pour un rien en plus. Les vestiges ont pris position en ville, mais j'aurais aimé qu'ils soient plus nombreux. Ils ont besoin de votre aide. Et qu'est-ce que vous voulez que Mary fasse? Garechery a confié la défense de la ville à Camira. Elle déplace les adeptes des vents du désert. Tous les volontaires qu'elle a trouvés et ce qui reste de notre milice comme autant de pièces dans une... Ouais, c'est ça, ouais. Présentez-lui votre rapport et elle vous remettra vos ordres. Il faudrait qu'on l'écrive. Écoutez, eh bien, on va aller présenter notre rapport. Attends, moi je sais pas écrire. Enfin, si, je sais écrire, mais est-ce que j'ai le temps, tu sais. Je suis pas vraiment auteur à la base. T'inquiète. Ouais. Je m'en suis occupé, j'ai un rapport, alors je ne sais pas s'il sera déchiffrable, mais en tout cas c'est un rapport quoi. Donc bah écoutez, on va aller présenter notre rapport à Camira, moi je te propose de faire ça. Ok. Rejoignez Camira à l'extérieur et demandez-lui ce qu'elle veut. Les soldats euraxiens auront bientôt atteint Fort Rivière. Si cela arrive, Oblivion se déchiffera. Attends, juste... on peut se permettre... Camira... Rappelez-nous ce qui se passe par ici. Camira. Vous avez dû prendre plus de coups que je ne le pensais. Bah, Camira, tu sais. Bon, très bien. Oui. Après que, par inadvertance, j'ai joué un rôle Camira, mineur le... dans la libération. Le Crécan. Tu sais. Bon, aux salles du Colosse, tu sais. Non, Camira, tu sais. Je suis venu à pour tenter de rectifier la ou situation. Pas. Ou tu sais. Oui, je sais, mais dis-lui à lui. Bah, voilà. Dis-lui à lui. Bah, Camira. Ah oui, mais non, mais lui, il sait. Moi aussi, je sais. Ouais. Bah, bref, ok, très bien. Donc, vous avez demandé notre aide contre les dragons, hein, c'est ça, si je me rappelle bien. Ah, votre mémoire n'est pas entièrement embrouillée. Grand, et... oui. Mais j'ai découvert que les Khajiits avaient bien d'autres ennemis que les dragons. Ouais, mais je sais me présenter sous un meilleur jour. Aksia, l'usurpatrice de Rimen, s'est alliée à ces grands monstres et à des nécromanciens pour conquérir Elsewhere. D'accord, très bien. Est-ce qu'on a peut-être quelque chose d'autre à savoir? Sachant que je sais déjà tout. Simplement que cela semble impliquer Cadwell, le vaillant chevalier de Havreglace. Enfin, sa dépouille physique, à tout le moins. Zumok Foum cherche les membres épars de Cadwell le traître pour ranimer ce chevalier malfaisant. Est-ce qu'on a envie qu'il nous parle de Cadwell? Mais pas vraiment. Quelle fin. Alors. Au revoir, Abnur. Au revoir. Ça va, salut! De toute façon, si tu lui parlais de Cadwell, je t'aurais pas écouté. C'est me paraît bien évident. Oh. Ok, oh, très bien. Mais écoute, ça a l'air d'être bien occupé cette maison. Hein. Moi, ce que je te propose, alors soit on peut aller parler à Garechery. Ouais. Directement aller parler à Camira, hein, finalement. Ou les deux. Tu vois,
Garechri me paraît juste là, en fait. Hein. Oui, c'est ça, c'est lui, ouais. Allez, très bien. Tu parles. Bah, continue sur ta lancée. Moi, tu sais, je suis très occupé. Hein. Ça marche, ok. 3, 2, 1, clic. J'ai envoyé Camira coordonner les défenses de la ville, pendant que Tarn et moi continuons d'affiner notre stratégie. Pourrons-nous tenir la ville, ou devrons-nous nous replier ? J'espère que le mage de bataille pourra faire un miracle, mais nous ne devons pas compter dessus. Écoutez, alors moi, du coup, bah, je me pose la question. Alors attendez, le prenez pas mal. Hein. Mais vous pouvez quand même mal le prendre. C'est important pour la fin qu'ils le prennent pas mal. Mais voilà, mais pourquoi vous avez confié les défenses de la ville à Camira, en fait ? Elle connaît bien la ville et ses habitants. Enfin, je veux dire, plutôt que nous. Sa formation l'a préparée à tout ceci. Elle est plus que capable d'organiser nos défenses et de convertir nos stratégies en tactiques réalistes. Stratégie ? Elle est très douée pour les actions concrètes. Non mais, tactique réaliste quoi. Excuse-moi. Non mais, c'est pas vraiment de quoi on parle. Vous avez vu ma gueule, hein ? Vous avez vu mon swag ? Ça bon. C'est réaliste. Ça joue au petit gouverneur mais bon. Ouais. Mais bon bref, sinon vous pensez vraiment que Raxia va attaquer la ville ? Lorsque Raxia a conquis notre patrie, elle occupait tout le nord d'Elsewhere, de Fort-Rivière à Rimen. Il nous a fallu des années et beaucoup de sang pour reprendre le nord-ouest et la cantonner à Rimen. Je suis certain qu'elle va attaquer. D'accord, et donc on pourra vraiment résister aux forces d'Oraxia. Ce ne sera pas facile, mais notre stratégie est réaliste et Camira est une très bonne tacticienne. Entre les guerriers du capitaine Nalado et les adeptes des vents du désert, nous devrions avoir assez de force. Si Euraxia n'envoie pas de dragons. Ouais, écoutez, Garechri, moi, enfin, bref, je vous le dis, on se le dit comme ça, quoi. Mais nous aussi, on était bons tacticiens. Je vous le dis. Alors moi, j'aurais une question, puis je propose d'aller rejoindre Camira. C'est qui, Abnur ? Tu vois ta dernière paye ? Ouais. Ok, le mec qui a posé son cachet dessus, voilà, c'est à peu près lui. C'est lui, complètement. Ok, très bien. Tu vas rejoindre Camira ou je te rejoins à la rejoindre ? Écoute, on va complètement rejoindre Camira, c'est ce que je te propose en tout cas. Allez. Si je trouve mon poney magique, bien sûr. Ok. Top là. Tu vois, en même temps, moi j'y crois pas, c'est histoire de je sais de pas poney quoi. De défense, de rime. Ah oui, très bien. Et moi, après, je l'ai jamais vu à Abnur. Je sais pas vraiment si c'est pas quelqu'un qui fait croire qu'il existe. Parce que j'ai vu le cachet sur mon solde de pognon. Hein, mais Abnur, ouais. Est-ce qu'on a déjà vu, déjà croisé ou déjà entendu parler d'Abnur ? Abnur, tu sais quoi, moi je te propose qu'on s'en parle après. T'es où au fait Ok. Tu ne m'as pas attendu. Non, bah non. J'ai peur. Non. Évidemment. Allez, c'est parti. Va devant, je te. C'est très bien. Rejoins. Hop là, voilà. Juste attends. Wow. Oh. Qui m'a remercié. Camira. Chi. Fou. Mi. Clic. Oh. Je savais que les efforts d'Abner Tarn pour faire paix avec l'usurpatrice. Ça me rappelle nos soirées. Hein. Pour laquelle tourne son attention vers Fort Rivière. Nous devons protéger la ville, quoi que Raxia nous envoie. Ouais, mais si Raxia vous envoie nous. Hein ? Ouais. Après, la personne. Ça veut dire que les dragons sont de notre côté ? Est-ce qu'ils bossent pour nous ? Est-ce que Raxia est de notre côté si c'est elle qui nous envoie ? Mais si elle nous envoie contre notre camp, est-ce que du coup on devient des agents doubles ? Est-ce que nous sommes des dragons ? Cette histoire de rapport, je te laisse prendre le. Oui, prends l'ascendant. Alors, Abnur m'a demandé de vous faire mon rapport. Tant de personnes ont répondu à l'appel. Zamarak et les adeptes des vents du désert, les habitants de Fort-Rivière, même cet étrange Cadwell. Et maintenant, vous, Cinq Griffes. Excellent. J'ai des choses à faire,
mais pas assez de mains pour les faire. Si vous vouliez. D'accord, donc en fait, mon rapport, c'est de filer un autre coup de main. Écoutez, oui, dites-nous de quoi vous avez besoin. Les fermes périphériques sont vulnérables. Nous devons ramener les fermiers derrière nos murs avant l'arrivée des forces de Raxia. Allez à la ferme de Vertefeuille et convainquez Tsazi de déplacer sa famille. Après cela, je vous enverrai d'autres instructions. Écoute, je te propose d'aller. On va sauver des fermiers. Excellent. J'adore la guerre. Sauver du coup des fermiers. Voilà. Il est là finalement. Quand on allait partir, et finalement on part pas parce que c'est vrai qu'on a oublié que c'est une très petite ville ici. Et du coup, la Mara qui est là. C'est bon. J'ai fait le tour de là où nous devions aller et j'y suis du coup. Très bien, super. Est-ce que nous parlerions à Zamarak ? Oui, Zamarak, très bien. Fou. Miclic. J'aimerais vous accompagner à la ferme de Vertefeuille. Les fermiers ont été bons avec moi lors de mon retour. D'accord. J'aimerais vous aider à les convaincre de s'abriter en ville. Attendez, mais vous revenez d'où, Zamarak ? D'exil. Les circonstances m'avaient forcé à abandonner le pays que j'aime. Finalement. Je n'aurais jamais imaginé revenir en Elsewhere. Attendez, vous allez super bien vous entendre. Me voici. Je vais prêter main forte. Mais je préfère utiliser mes compétences de soins plutôt que mes connaissances martiales. Alors déjà, vous avez raison, parce que les connaissances martiales, c'est plutôt notre domaine. Nous, en fait. Enfin, c'est pour ça je connais Martial, personnellement. Ouais, c'est vrai. Ouais, plutôt beau gosse. Après, vous savez, c'est un peu le genre de gars qui... Attendez, j'ai pas trop envie de parler de ma vie, je préfère résoudre le problème de la guerre. Surtout du problème de Martial, finalement. Hein. Écoutez, nous on a vu ce que vous savez faire, hein. On aurait peut-être besoin de votre force hein, pour le coup, pour résoudre ce problème. Je comprends. Mais ce sera peut-être plus facile à dire qu'à faire. La dernière fois que j'ai utilisé mes compétences martiales, ça s'est mal passé. Pour vous, pour Martial ? Nous pourrons en reparler plus tard. Allons aider les fermiers. C'est au nord-ouest de la ville. Pour l'instant, tout ce qu'on a accompli, je suis désolé de vous le dire, veuillez accepter que tout ce qu'on a fait était plus facile à faire qu'à dire. Bah bon. Écoute, je te propose d'y aller. Hein. C'est parti, allons sauver des fermiers finalement. Sera la porte dans le nord-ouest. Excellent. Vive la guerre. Vive la guerre. Alors honnêtement, je me désolidarise peut-être de vivre la guerre, mais quand même. Quelle épopée, quelle aventure. Vive la paix après la guerre, évidemment. Vive la paix qui vient du fait que je suis en train de ramer un peu, peut-être. Et si je ramais que d'un seul rameur, est-ce que finalement je ne tournerais pas en rond ? À vous de répondre dans le chat. N'hésitez pas. Et le quatrième mur brisé pour la première fois dans cette soirée, alors que le jeu brise une deuxième fois en remerciant infiniment Joe. Merci infiniment. Qu'est-ce qui s'est passé ? Waouh. Pardon, j'ai eu une absence. C'est pas vrai. On est en même temps protégé par des gens. Ce sont des villageois, hein, des villageois en détresse. Pardon. Qu'est-ce que c'est que quoi ? Rien, j'ai vu un truc extrêmement, un tout petit peu flippant. Ok. Je te suis. Écoute, j'ai comme l'impression que finalement on est peut-être parti du mauvais côté. Est-ce que finalement il n'y a pas que des bons côtés et c'est toi qui es un peu pessimiste ? Oh, tu penses ? Alors, non, mais revenons au sujet. Eh bien écoute, je pense qu'on s'est trompé de côté, donc on va y aller tranquillement. Ok. Voilà. Pas trop fort, parce qu'on va t'entendre. Passer par le côté de la colline. Oh, et pourquoi tu reprends ton accent tout de suite ? C'est l'accroupissement. Quand je me baisse, le poids sur ma glotte va au niveau de la chocolatine. Très bien, ok, très bien. Allons-y, écoute, je te propose de reprendre du coup mon cheval. Attention à ne pas aggro les mobs. T'es où ? Attention. T'es où ?
contourner la feuille. Okay, okay. Je contourne. Ok, c'est bon, je te revois. Ok. Alors que nous voilà dans la ferme. Qu'il nous a fallu finalement. Oula, ça se bat. Pardon, je suis passé en position debout. Ça se bat. Ok, très bien. Moi, je suis pas là pour me battre. Moi, je suis là pour balayer le champ. Ok, très bien. Je ne suis pas un guerrier. Je suis un paysan. Je n'ai rien à voir avec tous ces gourgandins. Je n'ai aïe. Mais sans déconner. Oh mais ok, très bien. Ok, je comprends. Je suis pas mon personnage. Non. Non mais ok, très bien. Moi j'étais là tranquillement en train de balayer quand tout à coup mon gars. Quand tout à coup mon gars. D'accord, très bien. Ok, très bien. Voilà. Apprécierais-tu ah oui, d'accord. Donc toi, t'as vraiment aggro tout le monde, quoi, du coup. Hein. Ok, d'accord. Eh bien, écoute, c'est là-bas. C'est par ici. Tu me fatigues, hein. Mais ça va que j'étais fatigué avant. Je vois pas de différence. Mais sur le principe. Est-ce qu'on est d'accord? Sortez, serviteurs de l'usurpatrice. Très bien, alors. Avant que je ne vous arrache les yeux. D'accord, mais. Ah non. J'aimerais vous féliciter pour arracher les yeux parce que c'est quand même une grosse prouesse. C'est pas très pratique. Les globes oculaires, selon le peuple et la race, c'est très compliqué. Bonsoir à toutes les personnes qui arrivent. On me fait remarquer dans le chat, il faudrait dire à Maillard que l'on ne dit pas point mais poème avec un M à la fin. D'accord. Voilà. Je vais te raconter un petit poème. C'est ça? Un petit poème. C'est un peu ça. Ok, c'est parti pour parler à Tati. À Tati. Oui. 3, 2, 1. Clic. Qui êtes-vous pour débouler chez moi sans permission? Je reconnais l'adepte conique. Alors, c'est une très bonne question. Au moins, je suis les réponses. Et sa famille. Écoutez, nous venons vous prévenir. Ça, c'est parce qu'on a, marché. Ouais, quand on a un petit souffle au cœur, on prend un petit accent du sud. On se sent pas bien quand on est angoissé. Comme ça, on sent le petit sifflement de la chocolatine nous traverser la clôture. C'était pour rentrer en ville. Les Euraxiens sont déjà là. Je sens qu'il y a Mairie. Mais pour le moment, ils nous laissent. Nous prendrons quand même. Mais mon compagnon, Kinaro et son père Perche sont encore au champ. Nous ne pouvons pas fuir tant que notre famille est là. Quand même, nous pouvons aller chercher Kinaro et Urche. Vous pourriez faire ça. Franchement, tant qu'on est là, oui, merci, marchand. Kinaro a dû se cacher, mais mon frère Urge est parfois impétueux. Franchement, et il déteste les Uraxiens. C'est une combinaison mortelle quand on affronte la série Uraxia. Faites vite. Écoutez, restez en sécurité. On va chercher le reste de votre famille. D'accord. Mon fils compte intégrer la milice. Je préférerais le garder en sécurité, mais les enfants n'écoutent jamais les conseils de leurs aînés. Vous lui avez dit que vous avez dit que votre compagnon aime se cacher. Vous savez où je devrais le chercher? Il y a quelques petites grottes à l'ouest, dans les collines. Nous les utilisons comme entrepôts, car elles restent fraîches et sombres, même en plein été. Un peu comme certains amis en fin de soirée. Au revoir. Oui. Bon, écoute, je te propose de partir. Après, avoir fait. Oh mon god, sauver des gens! S'il vous plaît, je viens frais. C'est-à-dire que il veut en plus qu'on fasse la mission. Très bien. C'était pas pour de faux! Allez, c'est bon, cette fois-ci, je me fais pas avoir, hein. Je prends mon cheval. Ça va quoi? Cette fois-ci, je me fais pas avoir. Attendez, quelqu'un a vu mon cheval? Attends. Oh
Allez donc. Pas bien. Allez. Et on se dirige lentement, mais sûrement, vers les collines, hein, ces fameuses collines. Qu'on ne présente plus. Qui abriterait. Ah bah tiens. Ah. Mec, t'es vachement caché quoi. Attends, mais nous aussi. Attendez, je vais t'arriver. Pardon. Promis, on fera pas des blagues sur les gens qui ont pas trop de poumons. Non, c'est pas avoir trop. Sauf les asthmatiques, évidemment. Ils le méritent. Vous aussi, vous le savez. Moi, je mets au défi les gens. Ça, faut pas le faire, hein. Comment ça, faut pas le faire? Vous pouvez pas le faire, ça. Voilà, déjà, premièrement. Hein, c'est, alors, sachez que c'est 3 aspirés et 1 pas aspiré. Non, c'est 3 pas aspirés, 1 pas aspiré, la règle. Hein, comme au karting. Ouais, ouais, ouais. Voilà, c'est ça la règle. Et je mets les gens au défi. Tu sais, quand tu descends de chez toi, parce que t'as un truc qui arrive dans la boîte aux lettres ou quoi, de remonter chez toi et de pas être en mode. Voilà, parce que pour peu que tu sois un petit peu dans les étages. Très bonne idée. Oh, et puis, oh tiens, Kinaro, dis donc. Peut-être lui demander ce qu'il fait à côté du cadavre de. Eh bien, on ne sait pas. Attends. Est-ce que c'est vraiment un cadavre? Est-ce que. Oh, quand oh même. Là. Ouais, ouais. Ça serait pas quelqu'un. Ouais, bon. Pff. C'est pas vraiment ce que j'aurais dit. Je te propose qu'on pose la question à Kinaro. Ouais, bonjour. Alors, bonjour. Est-ce que lui aussi il a monté et descendu beaucoup d'étages? Partez! Vous n'en avez donc pas fait assez? C'était 4 étages quand même. Écoutez, on n'appartient pas aux troupes euraxiennes. Hein. C'est Tsazi hein, qui nous envoie vous chercher. Vous avez vu sa tronche? Ah, Mary. Sérieux? Vous avez confondu avec? Tsazi? Ouais. Elle va bien? Quel désastre. Et non, c'est la semaine prochaine. Raté. Excellent. Les soldats sont arrivés et nous ont expulsés les champs. Puis, ils ont commencé à creuser. Urs leur a lancé une pierre et ils ont riposté par une flèche. Et maintenant. Écoutez, est-ce que vous savez ce que les soldats cherchent? Est-ce que vous savez s'il y a des soldats? J'ai entendu un parler de membres. Quelle tâche sinistre. Mais personne n'a été enterré dans notre champ, à ma connaissance. Oh, marcheur. Je ne sais pas comment Tsazi va réagir en apprenant la mort. C'est, je veux dire, c'est juste la lune noire, vraiment. Oui, c'est quand même. Oui, non, si, ouais, je comprends. Écoutez, alors. Après, on peut dire qu'il est mort, mais pas vraiment. Qu'il est un peu mort. Bon, bah, écoutez, on peut lui dire qu'il fait un très grand dodo vers les étoiles. Mais écoutez, moi, je vous propose de voir ça plus tard. Ce qu'on peut commencer, c'est de commencer par le commencement. On va retourner moi, à la ferme. Non, j'aimerais vraiment mettre mon veto là-dessus. J'aimerais plutôt débuter par le début. Plutôt que par le commencement. Que commencer par le commencement. Ouais, je trouve ça un peu. On peut débuter par le début également. Mmh. Hein, Notez les asthmatiques. Ouais, on peut, bien sûr, on peut, on peut introduire en introduction, du coup. Écoutez, ce qu'on vous propose, c'est retourner à la ferme, rejoignez votre compagne, et puis allez vous réfugier en ville, d'accord? Ouais, et si vous avez une cachette, montrez-la nous, parce qu'on aimerait bien s'y cacher aussi un peu. Eh bien, écoutez, comme la guerre, c'est magnifique, on va retourner dire à Tsazi qu'on a trouvé son compagnon. Et alors, on va rentrer sans le compagnon, juste pour lui dire qu'on l'a trouvé et qu'il arrive, parce qu'on sera plus rapide. Plus rapide qu'à mort, c'est toujours plus rapide. On peut y aller sur les mains ou en moonwalk. Je pense qu'on sera toujours plus rapide. Et écoute, tant qu'on est payé à la fin du mois. Hein. Ouais, mais si je trouve ce Abnur qui soi-disant paye les gens... Bon gars... Ouais, maintenant tu le dis, j'ai pas reçu grand-chose quand même, hein. Ah bah ça promet, et puis finalement. Ouais, Bethesda. on sait, on dira rien, mais on sait quand même. Hein. Ouais, hashtag nous sachons. Allez. La mission. On l'a trouvé. On l'a trouvé. Je sais pas qui. Ah, on a trouvé qui? Sans sucre, s'il vous plaît. Clique. Mon frère marche à présent sur le sable derrière les étoiles. Ouais, c'est ce qu'on avait dit. Il a une noté pour le soldat. Pourquoi pas. Écoutez, vous pleurez plus tard. Je suis désolé de vous dire ça. Alors, c'est pas méchant, hein, pardon, excuse-moi. C'est juste que, bon, voilà. C'est mais est-ce que vous pouvez un peu pleurer maintenant, juste pour. Juste pour voir.
Écoutez, ne l'écoutez pas. Pour le moment, vous devez amener votre famille à l'abri en ville. Et c'est ce que vous allez faire. C'est ce que vous allez faire. Hein. Mon frère aurait voulu que nous restions défendre notre ferme. Je serais une bien mauvaise sœur et une matriarche, pire encore, si je m'en allais la queue entre les jambes. D'accord, donc on va secourir des gens qui n'ont pas envie d'aller secourir. Eh bien, les forces sauraxiennes sont à votre porte, hein, sachez-le, vous allez mourir d'ici. Vous allez mourir ici tous les deux, en fait, hein, finalement, comme votre frère. Finalement, vous tous un hommage. Les étoiles. Ouais, yes. Ouais. Mais, malédiction, marcheur. Nous n'avons même pas le temps de donner une sépulture à Urch. Non, les vivants sont plus importants que les morts. Nous partons. Mais c'est le concept de la psychologie inversée, en fait, c'est ça ? Je reviendrai vous hanter. Exactement. Ça marchait, ça marchait. Parce que ce qu'on vous a pas dit, c'est qu'on a débriefé déjà en amont de dire l'inverse. Parce que c'est pour ça qu'on a en même temps voulu débuter par le début, parce que ça provoque forcément une réaction épidermique des types de personnes comme ça qui voulaient partir alors qu'on leur a demandé de rester. Je crois. Écoutez, Zamarak a promis de s'occuper de Urch. Alors Urch déjà, un enfant, pas deux. Voilà, juste. Enfin, si je puis me permettre. Soyez prudente et mettez-vous à l'abri. Ah, cinq griffes, parfait. J'ai une autre tâche à vous confier. Oh non. Ah bah super, caméra. Vraiment, attends, la tâche. T'as pas envie d'entendre la tâche de caméra? J'espérais vous trouver avant que nous ayons fini. Okay. J'aimerais que vous partiez à l'est. Les éclaireurs de Nalado ont identifié plusieurs camps d'approvisionnement euraxien près des montagnes. Aidez Nalado et ses soldats à interrompre l'intendance euraxienne. Mais de quoi Mary a besoin? Les camps à l'ouest soutiennent les soldats qui encerclent la ville. Trouvez-les. Faites détaler leurs chevaux et incendiez leurs chariots. Les soldats de Nalado prendront tout ce qu'ils pourront. De votre côté, concentrez-vous sur la destruction et la désorganisation. Je me permets de relever un message dans mon chat de Enz qui nous dit « Il faut partir vite, ça urche. Ouais, » C'est validé. Thorfinn qui a dit aussi « Ça urge, ça presse. » Yes, yes, yes. Lent, yes. Adore. Au lieu de détruire tout ça, est-ce qu'on pourrait pas plutôt leur envoyer un paquet de carambars histoire de semer la discorde et le chaos. Pic. Lorsque vous aurez fait fuir les chevaux et incendié les chariots, les soldats de Nalado iront se servir dans les provisions. Et si des Euraxiens se plaignent, n'hésitez pas à vous occuper d'eux comme il vous plaira. Quand vous dites s'occuper d'eux comme il nous plaira... Non, attendez, oubliez. Je pense que les soldats cherchent les membres dont Zumokfum a besoin. Oui. Zumokfum, il veut ressusciter le traître dont parlent les antiques légendes de Zunzari. Depuis 4 ans, non, la caméra, là, je vous parle de nécromancie, enfin, je veux dire, rendez-vous. Elles reviennent nous hanter. Mais ce problème-là devra attendre. D'abord, il faut protéger Fort Rivière. Je vais m'occuper de ces camps d'approvisionnement. Ok, on va s'en occuper à deux, mais complètement. Écoute, je te propose de perturber le camp d'approvisionnement le plus proche. Je sais pas ce qui m'a pris. Je sais pas du tout. Je sais pas ce qui m'a pris. Je crois que c'est l'argent. Est-ce que je peux te proposer de me suivre et d'aller effrayer les chevaux? C'est parti. Ouais, mais je sais pas où est mon cheval. Je sais pas. Purée. Je me sens pas bien. Oh, j'ai entendu un petit pouic dans la forêt. Est-ce que c'est toi? C'était un faon. Un faon, pardon. C'était un faon. Et bonsoir à toutes les personnes qui arrivent sur le chat de Maya aussi. Et désolé pour ceux qui arrivent sur cette séquence. Oh. La séquence du faon, pardon. T'arrêtes. Ok, ok. Comment c'est ok? Pourquoi tu dis ok? C'est pas ok! Attention, tu es prêt? Non! Quand on dit 3, on avance, ok? Mais 3! Et on dit... C'est-à-dire? Attends, et on dit que c'est mais... avant, que c'est avant le 3, pas après le 3, ok? Ok, et tu es prêt, donc okay. Plutôt en avril alors. Ok, 1, 2, 3, c'est maintenant, go, go, go. Ok. Oh, va-t'en, cheval.
Ok, viens, vite, la caisse. Putain. Yes. Excellent. Est-ce qu'il y a des choses à faire encore ici? Oui. C'est bon, on a fait tout ce qu'il fallait. Je sais pas, j'arrive pas à savoir. Si, viens, une autre caisse. Un autre chariot, juste derrière toi. Où ça derrière toi? Je me sens pas bien. Toute cette fumée. Où ça? Reviens. Moi les deux? Ouais. Bah j'en ai fait le deuxième. Ah bah super. Et mais pourquoi j'ai... Pourquoi moi Kajit, j'ai un petit accent du sud? Alors que tu n'es pas baissé. Tu ne respectes pas la règle, Maillard. Ouais. Ok, très bien, vas-y. Du coup, je te propose d'aller faire l'autre. Ok. Et bonsoir à toutes les personnes qui arrivent. Bonsoir. Merci, Sersoise. C'est vraiment gros, cette tortue. Hein. J'ai eu très peur. Mary, tu es où, Mary? Je suis concentré. Où est-ce que tu es? Ok, très bien. Attention. Toi qui l'as remarqué, hein. Trop tard. Non, c'est toi qui l'as remarqué. Je te défends pas, hein. C'est toi qui l'as remarqué. C'est évidemment toi qui l'as remarqué. Ok, c'est bon. Yes. Okay, j'ai vu parfait. Un cheval. Je m'occupe du cheval. Ok. Attends, attention. Ah, il y a un sac lourd également. Oh, ça va, c'est pas très gentil. Je sais que j'ai pris du poids, mais quand même. Hein. Bon. Allez, U-dada. Ah, Arcane. Juste après, faudrait que je te chope. Ok, très bien. Je fais un chariot d'approvisionnement. Voilà, c'est bon, c'est fait. Le chariot, là, je vais faire l'autre chariot. Ouais. Voilà, c'est fait. Le chariot. Yes. Tu l'as fait? Aïe. C'est normal que tu brûles? Est-ce que c'est dans le plan? Attention. Ça fait mal. Ok, très bien. Eh bien, écoute, on a. Moi, je pense qu'on a pas mal perturbé, tu vois, les camps d'approvisionnement. Moi, je pense que c'est pas mal. Est-ce qu'on devrait pas aller parler au capitaine Naladou? Ok. Eh ben bien, allez là-haut. T'es où? Comment je le sais? J'en ai aucune idée. J'ai juste un GPS sur mon jeu. Viens, c'est par là. Bienvenue en Tamriel. J'en ai pas. Allez, et maintenant, un mytho d'histoire. Le saviez-vous? Ok, le capitaine Naladou est là. 3, 2, 1. Go. Si ces bousiers avaient une queue digne de ce nom, ce que nous leur avons fait y mettrait des nœuds. Je la connaissais pas, celle-là. Je l'ai pas. Si vous... Désolé, j'ai pas. J'ai pas la vanne. Je suis navré. Ça avait l'air d'être violent, capitaine, mais je l'ai pas. Je suis un peu choqué, mais pas pour les raisons que vous imaginez. Oh, nous et l'humour Kajit, vous savez. Mais sinon, pourquoi Cadwell a-t-il besoin de notre aide, en fait? Cadwell veut absolument nous aider. Il bricole absolument, oui. D'après lui, il prépare des pièges pour ralentir les orques. Attends, la dernière fois qu'on l'a vu, il est peine, si il était coupé. Si vous voulez bien, aidez cet homme étrange à poser ses pièges là où les Euraxiens les déclencheront. Ok, mais où est Cadwell? Cadwell travaille le long de la route qui va vers le sud de Fort-Rivière. Empêchez-le de se faire exploser tout seul, oui. Et maintenant, je dois rentrer en ville avant que les Euraxiens ne débarquent. Je veux être là quand la bataille s'engage. Oui, c'est ça, oui, repartez. Faudrait que vous. Ah, ce serait dommage que vous soyez pas là quand la bataille s'engage. Et nous, alors, du coup, parce que, enfin, je veux dire, ce serait pas. Enfin, je veux dire, nous aussi, on aimerait être là. Désolé, moi, je voulais aller aider. Parce que, enfin, nous, on pensait qu'on allait. Se battre, en fait, avec des armes. Ou, des, ah non, je suis parti pour. Ok, très bien. Écoute, je te propose qu'on aille aider Cadwell. Moi, j'étais d'accord dès le début, mais il fallait pas. Alors allons-y. Je te propose. Okay. C'est parti, mon Kikune. Bah, c'est quand même beaucoup de marches, hein. Beaucoup. Belle région, hein. Ensoleillée et tout. Hein. Mais franchement, les routes nationales, hein, c'est plus ce que c'était. Oh, moi j'aurais dit plutôt international, mais. Jour 4.
J'ai la botte, j'ai un caillou dans la botte. Comment ça fait? Pour 5, je sens poindre mon petit point de côté. Car je ne vous ai pas encore raconté toutes les histoires qui sont écrites dans le journal que Pilouet tient au fil de ses aventures. Oh. Oh, c'est là, hein. Marche dedans. Cadwell. Cadwell, c'est vous, Cadwell. T'as parlé à Cadwell? Non, j'y vais. Marche au milieu du carré. Va au milieu du carré. Mais non, c'est un piège. Non, si, va au milieu du carré. Tu mens. C'est pas un piège. Tu mens. On fait un pari? Ouais. Moi, je dis qu'il se déclenche pas. Oh, un papillon. Tu viens de me faire gagner de l'expérience. Non, le papillon, merci. C'est bon. C'était fort agréable. Ok. Écoute, je suis avec Cadwell, quand tu veux. Fou. Fou. Clic. Oh, quel plaisir de vous revoir. Vous m'avez terriblement manqué. Alors, attention où vous mettez les pieds. Je n'aurais jamais imaginé savoir fabriquer de tels jouets meurtriers. Mais n'y mettez pas les orteils. Ça m'a arraché le petit doigt de pied d'un coup. Attendez. Vous saviez pas que vous saviez construire des pièges? J'aime jouer du luth. L'escrime spectaculaire, c'est ma spécialité. Et mon cœur de dédrap flambé est un régal pour les sens. Dédrap flambé. Mais ces bricolages qui font boum, ça m'est venu pendant que je me demandais comment aider les chats. Et j'aime bien les chats. C'est dégueu les chats. Donc c'est Cadwell, dégueu. Vous êtes en... Non mais tu te rends compte qu'il est surtout en train de me dire que pour aider les chats, il fabrique des bombes en fait. Ah bah oui, oui, bah oui, moi ça m'a... je trouve ça assez cohérent. Hein. D'accord, ok, d'accord. Non, c'était pour être sûr que tu sais qu'on... Que... Enfin, le... D'accord, et bien vous avez compris comment on fabriquait les pièges rien qu'en y réfléchissant? Parce que c'est pas comme ça que ça marche à la base? Ce serait remarquable, nous, décider qu'on veut faire quelque chose et soudain en être capable. Un soufflé au chocolat. Non, ça marche plus. C'est sans doute quelque chose que je savais faire avant qu'on ne me coupe la tête et que mes souvenirs ne se mélangent. D'accord, c'est comme ça que vous êtes mort, c'est ça? Oui, découpé net au niveau du cou. Enfin, les détails sont un peu flous, ce qui vaut sans doute mieux. Bref, vous pouvez m'aider à armer les derniers pièges le long de la route. Il suffit de tournicoter le ressort et de tripatouiller le machinou. Regardez, je vais vous montrer. Ok, on va armer des pièges le long de la route. Écoutez, ma foi, faisons ça. Pour armer un piège, on tord ce petit bitonio comme ça et... Au plus. Super, prêt à tordre des bitonio du coup? J'ai tordu au lieu de tourner. Je suis à peine roussi, mais ça va. D'accord, prêt à tourner du coup au lieu de tordre? Oui, je... Je sais. Okay. Ouais. Allez, c'est parti. Franchement, moi j'adore quand c'est la guerre parce que après... Et après on tord des bitonio et après on aide des gens. Un scorpion. Et après on fait plein de trucs comme ça et après les gens après oui. Ils se battent et nous on reprend notre souffle. Ok. Alors... Je me sens pas bien. J'ai besoin de faire. C'est quand même dangereux les pièges. Hein. Vas-y. Est-ce que tu veux faire celui-là? Ah, je suis un bonhomme, tu sais. Vas-y. Alors, il y a un orc menaçant, un nécromancien, je pense. Oui. Oh, non. Je reconnais cet arbre. Ils vont à Fort-Rivière. C'est grave. Oui, oui, c'est très très grave. Qu'est-ce qui est grave? Ah bah, attends. Cadwell, tout va bien, Click? J'ai assez de mal à voir par mes propres yeux, alors ce d'un autre. J'espère que ça ne deviendra pas une habitude. Vous avez encore reçu un révision? Oh c'est non quoi, révision? En fait, qu'est-ce que vous avez vu Je ne sais pas pourquoi nous sommes liés ou pourquoi elle insiste à me montrer ces images si dérangeantes. J'ai vu un nécromancien orc. Ah, c'est terrifiant. Il vient vers Fort-Rivière et il amène ses immondes amis morts-vivants avec lui. D'accord. Ah, bah c'est Zoumokfoum et la tête du traître. Bah c'est vous, Cadwell. Balivern est pilvosé. Cela n'a aucun... Oh, attendez. Ça me rappelle quelque chose. Le traître.
Ce sont ces fous de prêtres qui m'appelaient comme ça juste avant de... Bon, il faut prévenir les chats. Le nécromancien arrive et il apporte des morts vivants. D'accord, et ben on va entrer à Fort-Rivière. Bah, de toute façon, on l'avait prévu dès le départ. Bah déjà, nous on s'est dit, franchement, on fait pas plus que Rimen Fort-Rivière. Déjà, oui. C'était notre limite en fait, c'était marqué dans le contrat. Nous sommes des aventuriers, de grands aventuriers. Nous n'avons pas que ça à faire, notre vie est trépidante. Exactement. Je me permets juste de régler un tout petit peu mon audio pour le baisser. Je vais passer le balai pendant ce temps. C'est bon. Je suis prête. Je suis partie. J'ai pris un petit peu d'avance, comme tu pourras le constater. Avance que tu vas résorber, ma foi. Oh là là. Je sais pas pourquoi j'ai pris cet accent, mais oh là là. Ouais. Paris à caméra, Paris. Excellent. Ok. J'espère que c'est le moment où on va pouvoir participer à la guerre. Bonsoir à toutes les personnes qui arrivent. Clique. Nous devons nous retrancher derrière les murailles et nous préparer à défendre la ville. Les forces de Raxia seront bientôt là. Écoutez, alors, Cadwell a eu une nouvelle vision, enfin, une rêve vision, vision rêve, je ne sais plus comment vous appelez ça. Et le nécromancien Zumokfum approche de Fort-Rivière. Encore des morts vivants? Comme à l'avant-poste de la force de défense. Les troupes régulières sont déjà difficiles à repousser. Mais des cadavres ambulants, ils ébranlent même les guerriers khajites les plus aguerris. Nous devons prévenir Garechri. D'accord, et est-ce que les défenses de la ville sont prêtes pour cette attaque? Presque. J'aimerais que nous ayons encore une journée et quelques dizaines de guerriers de plus. Mais nos griffes sont affûtées. Bon, écoute, alors ok, très bien. Tu penses qu'on est prêt, qu'on est pas prêt, on est prêt, on est pas prêt? Moi je suis toujours prêt, tu sais. Je suis un peu comme un scout, mais en beaucoup mieux. Tu es comme quoi, mais en beaucoup mieux? Un scout. Ah, très bien. Bah écoute, dans ce cas-là, je te propose de se dire qu'on est prêt. C'est ce que je viens de dire. On est prêt à défendre Fort-Rivière? Attends. Il faut qu'on défende Fort-Rivière? Allez, c'est maintenant. On en a plus à défendre Fort-Rivière et Rime. Vas-y, on a dit que c'était ces deux-là et pas toi. Je me sens pas bien. Ah, oh, il s'est passé quoi? T'as cliqué? Oui. Oh, ça m'a mis un chargement. Oui. Je me sens pas bien, Mary. Ah, non plus. Et après, mais il faut que je me batte avec l'arc ou je peux me battre avec autre chose. Oh non. Orateur, ouais. Nous avons des nouvelles. J'écoute, Camira. Les Oraxiens ont des nécromanciens dans leur rang. L'usurpatrice ose nous envoyer des morts vivants? Sangré, prévenez le capitaine. Elle ose envoyer des morts vivants, hein. Elle a osé. Franchement, sérieux. Alors déjà, les morts vivants, quoi. Moi, je voudrais bien voir ça, sachant que des nécromanciens, on en a pas vraiment vu. Enfin, est-ce que c'était des vrais, des faux? On sait pas vraiment. Très bien, bonjour. Ok. Et donc c'est pas la fête, hein. Se fait mettre sur le banc de touche, j'ai bien l'impression. Écoute, c'est parti, viens, on va prévenir le capitaine. De toute manière, tu sais quoi, y a pas une minute à attendre. Ouais. Allez, go. On est là pour sauver le monde ou pas? Ouais, alors on se réveille dans les rues, merci. Bonjour, arrêtez de dormir. Merci beaucoup, on a une guerre à gagner. Repoussez les Oraxiens. Allez. L'orateur a-t-il donné des ordres? Les gars, vous savez qui on est? Elle est là, la grande bataille, elle est là. Elle est là, c'est notre moment, Mary, notre moment, notre... Oui. Chaque mort n'est qu'une nouvelle... Ça va. Avec un truc qui peut me calmer. Non, balaye pas, t'as pas le temps de balayer. Je dois prévenir les autres. J'ai actuellement deux sorts dans ma barre de spell. Yes. Je pensais pas qu'il fallait qu'on se batte et moi j'ai... Non, moi j'étais là juste pour le pognon, à la base.
pensais pas qu'il fallait. Je sais pas que c'était vrai cette histoire de guerre. Je pensais que c'était juste de la comédie. Animera tous les cadavres de la ville. Yes, on a gagné là. Retrouvez Zamaraku au temple, je pense. Ouais. Et nous pourrons peut-être Ok. Ouais. Bonsoir, c'est la personne qui arrive. Et... Mais pas aux autres, évidemment. Non, attention. Oh. Je veux les aggro. Oh, je veux les aggro. Et mon gars, vous allez faire quoi? Oh là là. C'est bon ou pas? Oh mon dieu! Je t'ai sauvé la vie, Mary, hein? Ah ben franchement. Ben j'en attendais pas moi là. Oh! Par là. Ok. J'arrive. C'est une petite guerre, hein. C'est une guerre honnête, hein. C'est pas vraiment une grosse guerre. C'est vrai. Après, on se bat quand même comme des cadavres, contre des cadavres, hein, donc c'est un peu la guerre quand même. Bon, est-ce que finalement se battre contre des cadavres, c'est pas un peu disruptif? C'est... En tout cas, ça fait des combats pas très vivants, hein. Waouh. Ouais. Attention, baisse-toi. Il le boite. Okay, à 3, on tire une flèche. 1. D'accord. Attends. Je me sens bien. C'est bon. Il est mort. Ton arc est dans ta poche gauche. Ok. C'est parti. Je croyais que c'est toi qui avais mon arc. Je dois être en paix pour mémoriser l'inscription. C'est-à-dire ? Ils ont versé le sang en ce lieu sacré. Attention, il y a des méchants. Oh. Attends, ça, s'ils sont méchants. Oh. Il y a des gens méchants, mais il y a également... Des zombies gentils. Des petites boîtes à bijoux, alors ça donne envie de mettre la main dedans. Okay. Mais il y a des méchants quand même. Mais il y a quand même des méchants, alors ça dit. Je joue avec. C'est Mary, c'est ça, hein? Le. Alors non. C'est ma sœur. Ah, ok. Le R il se met avant le M, si je confonds. C'est ça, Emery du coup. Comme disent les asthmatiques. Oh, c'est bon? Okay. Ça m'a l'air plutôt vide après ton passage. Non, c'est méchant. Attention. Pas sûr d'écouter. Hein? Oh, c'était qui? Et ouais, c'est comme ça qu'on fait. Et ouais. Ouais. Alors j'espère cependant que les gens ont pris des notes. Oui. Je suis en train de tout faire hein, là. Je suis en train de faire absolument tout. Peut-être que. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Oh non. Oh, ne te retourne pas. Mon collègue, il est juste là. Mais non, mais moi j'ai rien. Mais j'ai. Oh, mais non! Je suis caché! Ting! Tu prends fort, moins fort les flèches! Moins fort le fouet en flamme! Chut, moins fort les flèches! Ça va, c'était très discret. Alors, il y a peut-être deux cadavres criblés de flèches, mais. Venez, trouvons le pilier béni de la lune printanière. Ok. Attends. Ok. Mary! Attention! Non! Passe pas devant. Ah. Ok. Quand tu dis devant, qu'est-ce que tu entends par là? L'inverse de l'autre. Oh! Ah oui, bah quand j'emploie les bons termes, c'est plus clair. Hein. Attention. Ah, très bien, on avait que ça à faire, très bien. Ok, attention. Très bien. T'as la chaise? Aïe, okay. Je m'ai cogné. Okay, c'est quand même un fail d'IU. Ok. Très bien. J'ai coincé. J'ai coincé. Tant que ce sort nécromantique restera en place,
Très bien. Oh, attention. D'accord, c'est la guerre et tout le monde s'y estoune, quoi. Super. Ouais. Ouais, mais la sieste quoi, de 16h quoi, pendant la guerre, sans déconner. Le pilier béni. C'est ça hein, le pilier béni. Hein. Je sais pas. Occupez-vous des morts vivants pendant que je récite la prière. Bah, occupe-toi toi des morts vivants. Oh non. J'aurais bien aimé faire la prière. Pourquoi c'est pas moi qui fais la prière? Mais pourquoi c'est pas moi qui fais la prière? Pourquoi c'est toi qui veux faire la prière? Pourquoi c'est... égoïsme, voilà, ce sentiment voilà, de privilège, tout ça, hein, parce que t'as eu super. Un moment au bagne où tu l'as bien cherché, finalement tu te retrouves à vouloir faire la prière pour rattraper le temps perdu finalement. Est-ce que ça non plus n'est pas disruptif? Est-ce que tu n'es pas en train de partir vers une transgression assez évidente de soi en voulant faire cette prière alors que ce n'est pas à toi de la faire? La lune printanière. Point d'interrogation. Juste faire la prière. Waouh, ah ça a bien marché. Ah c'est impressionnant. Ah franchement, si on m'avait dit qu'on allait tout miner sur la prière, moi j'aurais pas cru. Hein. Mais franchement là, quand je le vois, franchement, je me dis franchement. Tu sais, j'ai l'accent du sud. Je me sens pas bien. Pardon, bonsoir à toutes les personnes qui. Ok. J'imagine qu'on peut pas rester là. J'imagine qu'il faut qu'on active le pilier béni qui se retrouve là-bas. Allez, c'est bon, c'est moi qui fais la prière. Non, c'est moi. Ah non, c'est le moi. Le premier cas, il fait la prière. Cheval incroyable, non. Eh si. Eh oui. Ça n'est évidemment pas là. Si, c'était là. Mais t'es où? Devant le pilier. Ah non. Oh, allez. Mais non. C'est qui va prier qui? Non. C'est moi, aussi. Ouais. Tu m'as trahi dans la prière. Ah. Alors, je sais pas comment faire pour l'activer, mais... Si, ouais. Trahison. Il est possible que je vienne avec une ou deux personnes. Ouais, j'ai cru entendre. Vas-y, fais la prière. Vas-y. Affrontez les morts vivants. Pendant que j'active le pilier de la lune estivale. Ah non, c'est encore lui qui fait la prière. Ah oh, mais non, c'est pas lui, c'est... Sans blague, quoi. Franchement, on fait vraiment le sale boulot, quoi. Ouais, alors, quand tu dis ça, là... Ah si. Ok, c'est bon, c'est prié. Oh non. Des chiens de l'enfer. Des chiens zombies. Donc c'est pas des chiens de l'enfer. Et non, ce sont des sèches squelettes. Oh, ok. Des canidés. Canidés. Des profondeurs. Des profondes. Des canidés. Ça mange de la pâté 6 pieds sous terre. Voilà. Encore un. Le pilier de la lune hivernale. C'est pas marrant, ok? C'est pas marrant, non. Ok. On revient. T'es où? Ok. Non, ah, retourne-toi. C'est pas une blague. Regarde. Ouais. Parce que quand tu marches accroupi, le mec derrière marche accroupi aussi. Et du coup, c'est très très drôle. Vas-y, fais pareil. Attention. Est-ce qu'il va faire pareil? Est-ce qu'il va faire pareil? Il te suit, toi. Yeah. Un peu de jalousie quand même, un peu dans la... De la... Ouais. Et salutations à tous les asthmatiques qui arrivent sur le chat. À tous les? Les asthmatiques. Les asthmatiques. On a dit que c'était les gens qui ne pratiquaient pas assez de... Putain d'activité sportive. Ah, je prends un café. Babakri, Frissine. Oh. Oh. Les piliers lunaires sont activés. Yes. Fort rivière yes. Est sanctifié. Comme ah, prévu, finalement. C'est génial. Qui les boss? Alors, et c'est quand la guerre? Je cautionne pas.
bien nous trimballer partout, mais quand même, on aimerait bien savoir ce qu'il se passe. Quelque chose approche. C'est nous. Quoi? Quoi? Là-haut, sur le toit. Non. Quel toit? Si. Le toit-toi? Le toit, l'autre. Mon toit. De l'autre côté. Non. Le toit, pas toi. L'autre. Non, pas l'autre toi. Non. Okay. L'autre toi. Ok. Oh, non. Je me sens partir. Est-ce que t'as la ventoline? Oh, ça va, ok. Y'a qu'une seule chose qui peut me calmer. Je... balayer un petit peu. Je me sens un tout petit peu mieux. William n'est pas un chat comme les autres. En effet. Est-ce que le... Il s'est mis une idée en tête. Féru d'écologie. Il s'est mis en tête de balayer tout elsewhere. Il a commencé. De la vermine. Il témoigne. Écologie, soutien à la planète. Les cagites aujourd'hui sont au fait du mal-être qui sévit dans nos cœurs. Nous avons témoigné. Cette personne qui, à visage découvert, décide d'assumer toute la saleté qui court sur la terre. Bonjour. Ça fait après. William balaye depuis à peu près 2 heures. C'est un sédentaire. Son corps le lui rappelle. Bethesda. Je m'arrête pas. C'est... mon combat est plus important que ma santé. Ok. Ah, par contre, je commence à vraiment avoir des vrais spasmes dans la vie. Est-ce qu'on peut aller voir Dragon et arrêter de parler parce que je me sens un peu mal, j'avoue. Ah, est-ce que tu peux au moins décrire? Je vais tomber dans les pommes pour de vrai, en fait. Hein, ah, yes, n'hésitez pas à clipper. avance. Bonjour. Tu sais ce qui serait hyper drôle? C'est qu'il te mange toi et qu'il me laisse partir. Ce serait qu'on fasse un live. Attends, on n'est pas en live là? Qu'on fasse un live que l'on fait full mode reportage M6. Intéressant. Ça déconne, on le fait. Ça déconne, on le fait. Ok, allez, très bien. Check. Ouais. Mais ça s'appellera, on l'appellera... Reportage en elsewhere. Reportage en... les dessous de Tamriel. Oh, dit comme ça. Bref. 66 minutes, vous présente. Ah ouais, et on fait un live pile de 66 minutes. Qu'on arrêtera au milieu d'une phrase, si au bout de 66 minutes. Ouais, ce serait excellent. Pardon, on est en train du coup de faire notre programme. Ouais, c'est un petit teaser évidemment qu'on vous fait sans commune mesure ni banal sur les prochains épisodes de Mytho d'Histoire. Exactement. Écoute, ce que je te propose, c'est que on baliste. Dit bonjour ou on lui balance une baliste? On dit bonjour avec une baliste. Une grosse flèche. Ah, allez, c'est parti. 1, 2, bonjour. C'est violent quand même. Attention. Oh. Allez vas-y mon gars. Je voulais pas dire mon gars. Je suis désolé. Je pensais pas que t'étais un gars. Non. Non, je me brûle. J'ai chaud dans mon corps. Alors. Et bien finalement, n'est-ce pas là un combat assez déloyal avec ce sous-nombre de créatures. Enfin, je me suis pris une petite claquounette. Dragon en vue. Attention, j'ai plus de vie.
Attends, non, on va perdre contre le dragon, on va vraiment perdre contre le dragon. Mais attends, j'ai deux spells sur un arc. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Bayard, on sait pas ce que... Mais si... Tu... En fait, tu peux juste compter sur moi, je veux... Je vais m'en occuper. Ouais, Fousroda, c'est ça, Fousroda, ta maman. Ah ouais, le fameux, je connais, ouais, Skyrim, je me souviens, excellent. Aïe ! Je m'ai cogné. Je m'ai recogné. Je crois que j'ai la joue en sang, Mary. Est-ce que c'est normal ? Et là, j'aimerais un petit pinceau. Je voudrais un petit peu de mercurochrome, s'il vous plaît, sur la joue. Ah, aïe, 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 dragon. Bakulodan, que je frémisse si je faiblisse. Voilà. Oh. Je tiens quand même à dire que c'est moi qui ai mis le dernier coup de la guerre. Je tiens à dire que moi, je voulais faire la paix, alors que toi, tu l'as assassiné. Ah, c'est... Moi, j'ai dit on dit bonjour, on met une baliste, t'as dit on dit bonjour avec une baliste. Déjà, c'était pas la merde, c'était... Pour commencer. Deux secondes, je suis en train de t'y-bag. Alors, mon gars, qu'est-ce que tu fais maintenant ? Ah, ok. Le règne de l'usurpatrice touche à sa fin. Je suis d'accord, mais est-ce que combattre un dragon, la gloire ne passerait pas par, de manière culturelle ? Véritable reine de Rimmen. Préparons nos plans. Conseil de guerre. Alors, conseil de guerre, d'accord, mais cependant, moi j'allais proposer de faire une chenille dans le dragon, mais... Mais comme c'est moi qui ai mis le dernier coup d'épée de la guerre, du coup, est-ce que ça veut dire que on peut aller au conseil de guerre ? Allez. Moi, j'aimerais quand même qu'on fasse une chenille un jour dans un dragon. Je trouverais ça assez disruptif. Maintenant, vraiment ? Oh non, ah je bah suis allé au conseil de guerre. Dommage. Non, mais faut savoir ce que tu veux. Bah c'est dommage parce que moi, tu m'as dit chenille et du coup, je me suis dit, ben franchement, pourquoi pas ? Mais Mary ! Ouais. Tu m'as trahi encore une fois. Hein. T'es plus à une trahison près, on dirait. Hein. Si ma maman savait. Arrête avec ta maman, arrête. Quoi ? Ben non, mais c'est juste que, enfin, je... c'est pas, ça me gêne, tu vois. Attends deux secondes. Je sais pas pourquoi ma mère me parle de Sea of Thieves. Non, rien. Arrête, non, t'as pas le droit. Oh, le levier démoniaque. Non mais ça va pas. Ouais, bon, salut, moi c'est Maya. Est-ce qu'on parle... Viens, on parle à Ganesherie. Oh, les deux. C'est comme... Mm-hmm. Ganesherie, avec une faute. Ouais. Ok, Ganesherie. Trois. Clic. Merci d'avoir aidé à défendre Fort Rivière contre les forces de l'usurpatrice. Et tuer un dragon. C'était un... Ça c'est moi aussi en même temps. Non, c'est moi qui ai mis le dernier coup de la guerre. Après, le tout c'est pas de l'achever, le tout c'est de faire le taf. C'est ça. C'est vrai, c'était incroyable. Ouais, c'était pas mal. Est-ce que c'est vrai ce que Camira a dit ? Est-ce que c'est vraiment l'héritière du trône de Rimmen ? Non, parce que si c'est pas Abnur, Camira clairement. Est bel et bien la fille du roi Emakar et de la reine Numara. C'est la seule survivante du meurtre de la famille royale. Et elle m'épaule depuis son enfance. La grande crinière et moi espérions attendre que la situation de Raxia soit réglée avant de révéler son identité. D'accord. Et donc vous pensez que Camira a commis une erreur en se révélant pour rallier son peuple ? Ah, et alors c'est d'elle qu'on s'en fait le trou. Non. Mais du coup, on comprend pourquoi il est au conseil de guerre, mais du coup, ça veut pas dire qu'on comprend pas pourquoi nous, on est au conseil de guerre. Il parle, s'il te plaît, tu peux pas arrêter de lui couper la parole, c'est un peu agaçant. Hein. Mais tu cliques quand tu cliques, enfin, t'as oublié la règle. La règle. Bah, on en a deux. Mary, c'est ça ? La première, c'est pas les mamans, et la deuxième, c'est tu cliques quand ça clique. Tu dis clique quand tu cliques. Je vois que t'as tout bafoué ce soir. Alors... Je ne réponds pas à ça, Maya. On est en live. Non. Comment avez-vous fait pour cacher l'identité de Camira aussi longtemps ? Euraxia a tué presque tout le personnel du palais et a rapidement annoncé que la famille royale était morte. Camira s'est faite discrète et travaillait souvent loin de Rimmen. Je rigole pas. La protège contre les détections magiques. Non, tu sais que j'attends toujours le glissement de cette soirée. Maintenant, à tout moment, allez parler à Tara. Il faut préparer un plan. Ok, on va parler à Abnur.
Abnur. La personne qui nous paye. Le cachet. Le... Oui. Ok. C'est tout bien. Mais si, regarde-le là, tu sais que le crâne à moitié garni. Chimera. Clic. Vous avez tué un dragon. Impressionnant, mais que ça... Ouais, c'est moi. Ouais, c'est moi, ouais. Ouais, je sais, c'était... Alors, je dirais pas impressionnant, je dirais incroyable. Personne ne se rappellera votre exploit. On ne parlera que du retour de la reine. Et je comprends pas, pourquoi vous nous avez pas aidé contre le dragon? Pauvre tâche, virgule, pauvre tâche, point d'interrogation. Oh. Je savais que vous pourriez gérer la situation. Je n'avais pas surtout moi d'intervenir, et cela aurait terni votre moment de gloire. Oh, la mienne. Et puis mes considérables de gloire, pas de maman, pour ceux qui ont suivi. C'est moi qui mets le dernier coup de la guerre, donc il n'y a pas de soucis. Bataille. Je vous laisse faire le coup de poing. D'accord, et donc vous saviez que Chimera, c'est l'héritière légitime du trône de Rimmen? Honnêtement, pas du tout. Les belles paroles de Chimera ont fait leur effet, mais il faudra davantage que des discours et de vieilles armes de siège pour abattre ma demi-sœur. D'accord, alors Garechri et vous, du coup, vous avez trouvé un plan pour éliminer votre demi-sœur? D'après les événements récents, il n'y a qu'une seule voie possible. Nous devons frapper Rimmen et destituer ma demi-sœur avant qu'elle ne rallie ses forces. Logique. Mais d'abord prenez ceci. Bon. Votre dédommagement, bon, dédommagement pour avoir arrêté quand même, les morts vivants et tuer un dragon. 250 bon. T'as reçu 250? Je viens de recevoir 250 pièces, pas toi? Ah oui, si, si, bien sûr, je viens de recevoir 250 pièces d'or, bien sûr. Ouais, mais ça, ça, je trouve non, ça, je trouve que ça bien. Moins parce que c'est pas toi qui as mis le dernier coup de la guerre. Je en fait. Trouve ça normal qu'on touche 250. C'est à la hauteur, finalement, de ce qu'on a accompli là-dedans. Et ça, c'est le plus important. Parce que tu sais, moi, c'est pas que pour l'argent, pas pour l'argent que je suis là. C'est, moi, je suis là avant tout pour sauver le monde, tu sais. Et je trouve c'est... que 250, c'est finalement assez mérité. C'est très important de nous rappeler pourquoi nous sommes là. Et nous sommes là avant tout pour nous aider les uns les autres. Pas que pour l'argent. Ma demi-sœur reste une honte pour notre nom de du famille. Du coup, t'as toujours Abnur qui te dit que sa demi-sœur reste une honte pour la définitivement. Famille. Oh, mais ça, je le savais même, je dirais. D'accord. Eh ben, franchement, définitivement, vous voulez qu'on tue Raxia? Pour 250, on est d'accord. Non, pour plus. Attends, franchement, plus. Moi, tu ah, es Raxia. Ça serait vraiment alors, soit 250 une très grosse arnaque. Ah si, et je demande un dédommagement de transport, bien sûr. Attends, tu crois quoi que je fais marcher mon poney en bois comme ça, là, gratuit? Oui, ça va arriver là. Non, un petit Raxia un dédommagement, s'il vous plaît. Sans autorisation. Et 500 pièces. Alors, attendez, est-ce qu'on a les forces nécessaires pour lancer un assaut direct sur le palais de Rimmen? Si nous ne la destituons pas, imaginez ce qu'elle va faire ensuite. Ah, j'aime bien qui le subterfuge. Qui a parlé d'un assaut direct? Utilisons un subterfuge. Je vous suggère un petit groupe. Glissez-vous dans le palais, localisez Euraxia. Okay, en parlant de subterfuge, est-ce que je peux te parler deux secondes en privé, s'il te plaît? Parlez à oui. Garichi. Tu connais quelqu'un? Avant de voilà. Juste deux secondes. Je suis là. Je suis derrière. Ça veut dire quoi, subterfuge? C'est le... Tu sais... La stratégie de des faibles, de la faiblesse. Tu te souviens? Non. C'est la stratégie de la faiblesse, enfin. C'est-à-dire, tu éternues et c'est réaliste? C'est quand tu sais, quand tu te faufiles, quoi. Ok. Quand je suis accroupi. Subterfugé, voilà. ça veut dire ça. On en restera là pour aujourd'hui. On restera là-dessus. D'accord. Très bien. Est-ce que tu veux On continue un peu la quête. Est-ce qu'on s'arrête là? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Je pense que on peut aller dépenser chacun 250 pièces d'or à boire et à manger. D'accord. Très bien. Faisons ça. Yes. Très bien. Eh bien, c'est donc sur cette entrefaite que nous allons faire gagner une clé ISO chacun. Oui, mais d'abord, j'aimerais dire à Abnur, rendez-vous au prochain subterfuge. Elle vous tient à l'œil. Au revoir. Ah. Un assaut chirurgical. Je peux vous dire,
C'est la seule au prochain épisode, on passe à l'attaque. Tintin, les pires mercenaires passent à l'attaque. Et ça ne sera pas un bonjour à la balliste qu'on fera. Yes, ouais, n'est pas non, né le ça, dragon qui saura nous arrêter. Ouais, très bien. Est-ce que finalement on avait besoin de la baliste pour calmer le dragon? Je ne crois pas. Par contre, on avait besoin du dragon pour calmer la baliste. Ça, oui. Exactement.